s'est attelé à regrouper à Kédougou pendant 2 jours les différents gérants de stations de la région. En plus des échanges théoriques, pour une étude de cas, les participants se sont rendus dans une station de la place pour faire un diagnostic sans complaisance sur la gestion environnementale, sociale et sécuritaire. Les données collectées ont été partagées avec le grand groupe. Au niveau de la station, il y avait des problèmes de branchement. C'est un fait de nature qui s'est passé. Un incendie s'est déclaré. Face à cette situation, en tant que premier garant de la sécurité dans la région de Kédougou, le gouverneur n'a pas caressé dans le sens des poils. L'électricité, extincteur souvent qui fait défaut dans ce qu'on appelle station-service, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et là, j'interpelle les services de contrôle qui doivent être très assidus par rapport à cela. Dans la prévention, c'est le contrôle a priori qu'il faut privilégier. L'extincteur, souvent des extincteurs, on se rend compte que l'extincteur ne marche pas quand il y a feu. Cela veut dire que les services qui étaient chargés de faire ce contrôle ne l'ont pas fait. Les gérants aussi qui devraient vraiment voir si son matériel marche bien ou ne marche pas bien, ne l'a pas fait. Une responsabilité collective peut créer un désordre social qui touche tout le monde, avec des effets directs et des effets indirects. Parce qu'une station-service qui est là-bas de l'autre côté, des habitations qui sont à 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres, peuvent faire les effets d'un incendie au niveau d'une station-service. Alors que même au niveau de la conception, celui-là, il a conçu sa maison bien avant la station, il n'est même pas au courant des normes qui sont mises en place. Cela veut dire que c'est une lourde responsabilité qui pèse sur nous tous. Pour faire face à de pareilles situations, les participants ont bénéficié d'une démonstration sur l'utilisation des extincteurs. Un autre groupe s'est intéressé sur la question des attaques des stations-service. Il a été mis en cause des facteurs physiques et des facteurs humains. L'incompétence des hommes chargés d'assurer la protection des installations a été décrite. Un banditisme transfrontalier dû à la porosité des frontières, la circulation des armes aussi, c'est un fait notable. Pour les défaillances, nous avons la disponibilité de liquidités au niveau des stations-service, la vulnérabilité des agents recrutés pour faire office de gardiennage dans les stations, le manque de formation des agents sur les comportements à prendre en cas d'attaque. Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Kédougou leur a donné plusieurs astuces pour faire face à d'éventuelles attaques. Pour des raisons sécuritaires, ces informations ne seront pas dévoilées ici. Le gouverneur de région a encore une fois de plus rappelé aux gérants et aux investisseurs le rôle et responsabilité dans la sécurisation de leurs investissements. Vous avez mis en place ce qu'on appelle un investissement. Le premier réflexe, c'est de protéger mon investissement. Les stations doivent avoir ce qu'on appelle un service de sécurité. Un service de sécurité, ce n'est pas un veilleur de nuit. Il faut voir les gens que vous prenez. Vous pouvez les prendre dans le village. On ne dit pas que ne les prenez pas dans le village. Mais qu'ils soient au moins assez outillés pour avoir certains automatismes et certains réflexes. Ne serait-ce que pour alerter. Il a dit, un veilleur de nuit, un gardien qui est là et qui le soir appelle tout le monde, fait clair message, on en attaque. Parmi ces gens qui l'invitent, il peut y avoir des indicateurs pour les voyous. Il a formulé ses dernières recommandations avant de clore cet atelier de renforcement de capacité. Mais ce qui nous intéresse dans ça, c'est mettre la sécurité en avant d'abord. Au niveau des lieux de travail, de l'espace de travail, mais sur la sécurité civile qui est là et qui souvent peut guetter les stations, c'est souvent les feux, le danger le plus fréquent. Mais mettez toutes les installations hors normes, mettez ce qu'on appelle les avantages de votre côté, les atouts de votre côté, pour qu'on puisse vraiment gérer ensemble cette sécurité civile, parce que c'est important. Des attestations ont été décernées aux différents participants. Des visites inopinées se feront dans les différentes stations-service afin de garantir davantage le respect des normes environnementales, sociales et sécuritaires.